Wow. Cristal. Wow. Attends un peu. C'est comme ça que tu as changé. Comment tu es belle, mon Dieu. Seulement en quelques mois là, c'est la grossesse qui t'a rendue comme ça. Tu te laves avec l'eau de mer. Maman, c'est quoi? Hein? Laisse-moi apprécier les choses. C'est quoi le souci? En tout cas, déjà félicitations. Hein. Félicitations en tout cas. J'ai appris là, j'ai appris par ta pote Céline que j'ai rencontrée tout à l'heure, que tu as accouché. Laisse-moi te toucher, non c'est quoi? Que tu as accouché il y a de cela 2 jours. Donc, j'avais certes mes programmes là, mais il fallait que je vienne ici rapidement. Hein? L'enfant est où? L'enfant est où, non? Tu as accouché même, le sexe c'est quoi? C'est un garçon, c'est une fille? Parce qu'elle ne m'a pas bien dit, elle a dit que moi-même je viens te demander. Le sexe c'est quoi? Parce que tu sais que je t'avais dit, si c'est une fille, l'enfant doit porter le nom de ma mère. Et si c'est un garçon, ce sera le nom de mon père. Tu comprends? Arrête un peu de jouer, non? L'enfant est où? C'est quoi le souci? Ouais, dis-moi, où est mon enfant? C'est quoi? L'enfant est où? Fais-moi porter l'enfant, je si dois bénir l'enfant. Touche encore. Il y aura quoi? Ok. On a. Tu n'as jamais changé. Tu as changé en tout sauf là-bas. Ouais, l'enfant est où? Où est l'enfant? Attends un peu. Tu as laissé un enfant ici? Celui que tu portais dans ce ventre. Hein? Celui que tu as accouché, il est où? Une grossesse que tu as refusée. Ça veut dire quoi? À 5 semaines, tu as dit que tu n'es pas sûr d'être le véritable père. Tu dis bien grossesse. Tu as dit non, je ne veux pas de cet enfant. Alors? Je ne t'ai pas dit que je voulais déjà être père. Ouais, mais tu as juste l'enfant dit, tu dis si bien que j'ai refusé la grossesse. J'ai refusé la grossesse. Est-ce que j'avais refusé l'enfant? Hein? Aujourd'hui, l'enfant est là, je suis là, je veux voir l'enfant. C'est la grossesse que j'avais refusée je dis, et non l'enfant. Il y a la bouillie dans ta tête là. Il y a la bouillie dans ton cerveau. Dans une grossesse, il y a quoi dedans si ce n'est un enfant? Ouais, je ne veux la pas. La grossesse, c'est écho, c'est quoi? C'est pas un enfant. Madame, ne m'embrouille pas. Ce sont les chiens qu'il y a dans la grossesse. Écoute, tu connais mon attitude. Hein? Hey, je suis très calme. Tu baisses ton pied quand tu me parles. Écoute. Tu es chez mes parents ici et non chez toi. Attends. On est où là? Parlant même de tes parents là, ça fait depuis que moi je ne les vois pas. Est-ce que ta mère te dit pas chaque fois qu'elle la voit, je lui offre quand même une bière? Où est le problème? Parce que ma mère a trop soif. Je dis une chose. Ma mère manque de bière. Il n'y a pas de souci. Ce sont tes bières qui vont venir étancher la soif de ma mère. Il n'y a pas de souci, madame. Que ça étanche ou pas, il n'y a pas de souci. Mais je dis une chose, je veux voir mon enfant. C'est le fruit de mon travail. Tu comprends un peu? Monsieur, je suis désolée, vous n'avez pas d'enfant ici. Vous avez régné l'enfant à 5 semaines. Mais attends un peu. Je ne vous connais pas. Attends, le souci... Nul n'était l'intervention d'un bon samaritain. Je serais morte. Attends. Avec cette grossesse. Tu n'allais même pas. Tu n'allais même jamais voir l'enfant. L'enfant n'allait même pas voir le jour. Tu veux dire quoi là? Tu m'abandonnes avec une grossesse. Je croise un bon samaritain qui me prend avec mon enfant. Il décide de me nourrir durant toute ma grossesse. Je suis désolée. Quelqu'un d'autre a déjà reconnu mon enfant. Attends. Tu n'as pas d'enfant sur ta tête disjoncte ou quoi? Tu me parles d'un bon samaritain. Est-ce que je suis venu ici pour être un bon samaritain? Lui, il est bon samaritain. Ça veut dire qu'il était là juste pour te nourrir, non? Pour vous donner à manger. Et maintenant, moi, je suis le père de l'enfant. J'ai dit, je veux voir mon enfant. Rectificatif, tu es le géniteur et non le père parce que mon enfant a un père. Attends, ne me fais pas perdre la raison, là. Tu comprends un peu? Père, là. Sincèrement, ne me fais pas perdre la tramontane. Où je suis là, je veux... savoir, l'enfant est né, c'est d'abord quel sexe? D'ailleurs, il n'y a pas de problème, si tu veux, tu réponds, tu ne réponds pas. Maintenant, je suis là beaucoup plus d'abord pour une chose, l'acte de naissance de l'enfant. Parce que l'acte doit porter mon nom. Je ne veux pas cette... Tu me dis, il l'a reconnu. Je crois qu'il l'a reconnu de bouche. Hein. C'est pas sur papier. Tu comprends un peu? Monsieur, s'il vous plaît. Tu ne me vous vois pas, tu me monsieur, tutoies ce qu'on est assez. Monsieur, s'il vous plaît. Tu comprends? C'est quoi? Je n'aimerais pas que mon nom vienne et qu'il vienne... trouver tes couilles installées là tout près de moi. Alors je vais te demander de te lever et d'aller chez toi. Moi? Parce que je n'ai rien à faire avec toi. Je veux mon enfant. Moi-même je n'ai rien à faire avec toi. Je veux mon enfant. Je veux le voir. Où est le souci? Je n'ai pas ton enfant. Hein? Attends, qui est le géniteur de cet enfant là? C'est pas moi.
Tu me racontes, tu dis qu'à 5 semaines, je t'ai laissé tomber. Tu avais fait quoi? Hein? Tu passais le temps à me demander, chaque fois on est ensemble là. Tu passes le temps à toujours, t'es saute d'humeur là où c'est parce que tu étais enceinte et tout. Hein? Tu me traitais de tout et de rien. Parce que je n'avais juste pas quelque chose. Mais je suis là, j'ai déjà un travail, je veux prendre soin de mon enfant. D'où vient-il aujourd'hui que je ne puisse pas? C'est parce que tu n'étais même pas ici. Parce que maman, je demandais, elle me disait toujours que non, tu es chez une de ses tantes. Je comprends aujourd'hui que tu étais peut-être même chez un homme. Alors, moi, je veux savoir où est mon enfant. S'il est là-dedans, tu me dis, j'entre, je le porte. Hein, je dois le bénir ou alors la bénir. C'est quoi le souci? Monsieur, okay. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez très bien être le géniteur d'une grossesse. Vous avez compris, non? C'est bien beau. Mais celui qui s'en occupe, c'est mieux. Quelqu'un d'autre s'est occupé de ta grossesse. Je vais lui donner tout ce qu'il a dépensé. Non, désolé, mais... Je te le dis. Nous n'avons pas besoin de tes œuvres. Qu'on me taxe tout ce qui a été dépensé, non, je non, vais non. payer. Tu c'est peux quoi? Aller faire des dons dans les orphelinats. D'autres enfants en ont besoin. Je ne comprends pas comment tu peux abandonner une femme. 5 mois de grossesse. Dans une chambre où on louait. Tu n'étais pas soucié de comment je devais faire pour continuer à payer cette chambre. Mais tu as pris sur toi de partir un beau matin et de ne jamais revenir. Mais attends. Tu reviens une fois que j'ai accouché, sous prétexte d'être voilà, le géniteur de l'enfant. Et me réclamer l'enfant. Mais où est le souci? Tu peux m'amener où tu veux. Je n'ai pas d'enfant à te donner. Attends, peu. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire quoi? Tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce qui a pu me faire partir? Tu sais que j'étais parti pour quoi? Qu'est-ce qui a pu te faire? Mais j'avais des difficultés, je n'avais plus rien. Et je te faisais comprendre ça tout le temps. Je t'avais même dit à plusieurs occasions, rentre chez ta mère. Tu m'avais dit quoi? Que toi non, tu es partie, tu es enceinte, c'est pas ta mère qui t'a engrossée. Mais tu voulais que je fasse quoi? En ayant des difficultés, ça te donnait... Ça, pour toi, c'était une raison de partir. Chérie, écoute, on devait déjà combien de mois d'arriéré? Et alors? Hein? On devait combien de mois au bailleur? Est-ce que tu sais ce que d'autres couples ont supporté ici demain? Mais attends un peu, tu voulais quoi? Qu'un huissier débarque un matin, qu'on nous fasse une sommation et que je me retrouve peut-être ça en prison? Ça aurait été mieux. N'est-ce pas? Oui. Non, je suis désolé. On devait déjà tout supporter ensemble. Écoute, alors tu m'as laissé supporter écoute, une grossesse. S'il te plaît. Tu m'as laissé traverser des nuits blanches, toute seule. Écoute bien. Je serais peut-être morte sur la table d'accouchement. Non. Alors, à Dieu ne plaise. Non, désolé. S'il vous plaît, avant que ça ne tourne au vinaigre. Écoute. D'un te lever. Écoute. Et débarrasser le plancher. Il n'y a pas de problème. Je sais que tu es très fâché. Tu es vraiment remonté contre moi. Mais je souhaite que tu m'accordes un temps soit peu. Je n'en ton ai pas oreille. Besoin. Écoute bien. Écoute. Je dis, je n'ai pas besoin de tout ce que tu vas me dire. Non, je voudrais d'abord non, te dire combien de fois je suis. Non, ça ne m'apporte pas un plus actuellement. Je voudrais le Seigneur est bon. Écoute. Il l'a fait. Il est vraiment non, merveilleux. Non. Parce qu'il a pu faire que je te retrouve. Parce qu'il a pu faire que tu accouches dans de bonnes conditions. Mais je voudrais par-dessus tout que tu saches une chose. Je suis plein de désolation. Je vais te dire une chose. Je suis très désolé pour l'herbe tout cela. Que tu fumes là, c'est moi qui la cultive. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Je veux mon si enfant. Si tu penses que tu as la dose supérieure, moi je cultive. Donc tu peux imaginer non. le nombre de filles. Laissons que tomber je les problèmes. L'enfant est né. Notre ange est déjà là. Je pense que c'est l'occasion pour mais toi et moi de pouvoir nous réconcilier. C'est l'occasion pour toi de me pardonner. Même si j'ai fait quelle bêtise, j'ai posé quel acte négatif à ton endroit. Rappelle-toi par le passé, tu me jurais toujours, tu me disais chaque fois, chérie, je te jure que rien ni personne ne pourra nous séparer. D'où vient-il donc aujourd'hui que quelque chose puisse nous séparer? Hein? Tu iras, le pardon, ce n'est pas chez moi que tu vas l'obtenir. Tu vas demander pardon à ton enfant. Et, je dis bien et, pour que cela se fasse, faudrait que le père de mon enfant soit d'accord. Pardon? Je dis bien, il faudrait que mon homme soit d'accord. Si tu vas devoir voir ton enfant, hein? Moi? Il faudrait que tu t'asseyes avec mon homme et que tu en parles avec lui. S'il est d'accord, tant mieux. S'il n'est pas d'accord, je ne peux rien faire pour toi. Mazette. La décision ne me revient pas. Scrogneux. Attends un peu. Tu t'entends parler? Très bien. Tu as oublié que moi, c'est Rob le grizzly. Et alors? Moi, je m'assois. Je veux voir mon enfant. Le fruit de mon travail. N'est-ce pas? Le fruit de ma semence. Je veux le voir. Après, tu oses me demander de venir voir le fiefé gouniafié que tu appelles ton homme. Lui, c'est qui?
Ce Bachibouzouk là, qu'est-ce qu'il représente dans ma vie? Hein? Quand je travaillais pour avoir cet enfant, il était là. Hein? Le souci à quel niveau? Parce qu'il a pu te récupérer, il t'a donné quelques morceaux de viande, quelques morceaux de poisson. Il a pu prendre soin de vous. Aujourd'hui, tu vas me dire que je vienne moi m'asseoir avec lui pour parler de mon enfant. Tu es bête dans ta cervelle. Hein? Dis-moi un peu. Ta tête est percée. Vous, les hommes. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, les hommes, vous oubliez très vite. Qui? La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et tu te venges contre je qui? Je mange même le mien congelé. N'est-ce pas? Est-ce que tu me comprends? Tu n'as pas honte. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je t'ai proposé, tu laisses tomber. Attends, qu'est-ce qui t'a donné? Je ne vais pas revenir sur ma décision. Il m'a donné des beignets, comme tu disais. Il m'a simplement donné des beignets. Ces beignets qui m'ont permis de vivre. Ces beignets qui ont permis que ton enfant puisse voir le jour. Il a quand même fait le pousseau. Ce que tu as été incapable de faire. Tu as oublié. Tu as été incapable d'assumer. Tu oublies très vite. Il a fait. C'est un homme. Et toi, tu n'es pas un homme. Tu es encore un garçon. Un homme qui fait des enfants n'est pas un homme. Non, tu n'es pas un homme. Ah. Tu es un garçon. Et il est plus mature que moi, lui. Ouais, ouais, très mature. Tu es encore dans l'immaturité. Pourquoi tu oublies beaucoup comme ça? Tu oublies beaucoup de choses. Où sont passés tes principes de vie? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Que ton premier enfant que tu auras, tu n'auras plus jamais un autre enfant avec un autre père? D'où vient-il aujourd'hui que tu m'évinces de ta vie? Tu peux oublier. C'est quoi le souci? Hein? Tu veux déjà faire un enfant ici, un autre là-bas? Ça te ressemble? Tu peux oublier ce que j'ai eu à te promettre. Parce que je pensais avoir trouvé l'homme idéal. Je le suis. Mais je me suis rendu compte après que tu ne l'étais pas. Si, si. Mais je suis parti un matin à cause de ce que je t'ai dit. Et le bailleur qui menaçait tout le temps qu'il viendra nous sommer, qu'un huissier viendra là nous sommer et que je finirai en prison. Je suis parti. Ça ne veut pas dire que je t'ai oublié. La preuve, je dis bien, chaque fois que je vois maman, je te demande. Hein? Je te demande. Elle me dit que tu es chez sa tante. Hein? Celle qui vit en Europe, là, qui vient de temps en temps. Tu voudrais donc que je fasse, tu voulais qu'elle fasse quoi? Et cette tante-là, tu sais très bien qu'elle ne m'aimait pas. Elle me traitait de voyou et tout. Qu'est-ce que j'allais faire? Je pouvais faire comment pour me rapprocher de vous? Maintenant, tu es accouché. Je veux mon enfant. Je veux voir cet enfant-là. Qu'il soit un garçon, qu'il soit une fille. Et surtout, cet enfant, je t'ai dit, doit porter soit le nom de mon père, soit le nom de ma mère. Et l'acte de naissance, par-dessus tout, doit porter mon nom. Tu comprends ça? Tu as fini de jacter. Je ne jacte pas. Je ne jacasse pas. Je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas un bavard, moi. C'est quoi? Ok, d'accord. Tu n'avais pas de travail tout simplement parce que tu étais paresseux. Tu sous-estimais les boulots. Mais parce que j'avais fréquenté, j'ai beaucoup fréquenté. Tu me demandais tout le temps là, d'aller faire des travaux à la ferme. Ferme ta bouche et tu m'écoutes, c'est quoi cette histoire? Tu grandis qui? On est où là? Tu as changé. Hein? Attends, la petite fille est posée, toujours à mon écoute. Tu es devenue une femme aujourd'hui. Oui. Tu as accouché, tu peux me gronder. Grâce à un homme, hein? Un véritable homme, je suis devenue une femme. Hé hey, hé hey. Cristal me crie dessus. Tu triais les boulots. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mon niveau d'études ne me permet pas. Alors que tu as une femme enceinte, tu pouvais aller dans les chantiers. Tu pouvais aller là-bas pointer tes journées 2-3 000 la journée. On pouvait quand même manger. Tu pouvais aller dans un barreau peut-être être agent de sécurité. Tu as refusé. J'ai même eu une amie qui m'a proposé un boulot que tu as dénigré. Tu as préféré m'abandonner avec la grossesse et tu viens aujourd'hui. Oui, mais j'étais parti aussi. Pour venir me dire comment tu es le père, l'acte doit porter ton nom, tu dois voir ton enfant. Attends, je attends, dis assez. Attends, attends un peu. Non, attends un peu. Écoute-moi, prends un petit temps, tu m'écoutes. Quand tu parles là, tu m'as envoyé faire des travaux ici à gauche et à droite. C'est celle qui vient d'Europe là. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu portes son nom, c'est ton homonyme. Je t'ai dit, dis-lui qu'elle t'envoie un peu d'argent si on peut monter un business. Tu m'avais dit quoi? Que non, tu ne voudrais pas que ce soit les membres de ta famille qui prennent soin de toi, qui fassent ci, qui fassent ça. Pour finir, tu as fini où? Pas chez elle. Moi, je vais donc m'asseoir. Tu as parlé, non? Tais-toi. Tu voulais qu'elle prenne soin de nous. T'as pas de temps, t'es où? Où sont tes oncles? Ils sont morts. Ils n'ont pas autant d'argent. Ta famille, toute ta famille est décédée. Hein? Ce n'est que la mienne qui devait nous transformer. Bref, tu es malade. Je ne vais pas piquer un AVC là. Déjà, tu me fais beaucoup transpirer. Ce que moi, je vais faire là, ce que je te demande là, poliment, pour le bien de notre enfant. Faisons la paix. Quel que soit ce que j'ai pu te faire, je te présente mes excuses. Dieu demande de pardonner. Je ne les accepte pas. Dieu demande de pardonner de façon illimitée. Pardonne-moi. Le même Dieu connaît ce que j'ai enduré. Donc, il va m'excuser. Je ne te pardonnerai jamais. En tout cas, moi, je vais voir les miens.
je viendrai revoir les membres de ta famille. Il faut qu'on s'asseye. Je ne peux pas abandonner mon enfant comme ça. Et parlant de ton homme-là, dis-lui pardon, qu'il balade en lui ses spermatozoïdes, qu'il peut aussi faire des enfants. Et surtout, qu'il s'éloigne de mon enfant. Je t'ai dit, je reviendrai. Et très tôt. Si tu vas d'ailleurs, ton numéro de téléphone, je ne sais pas si tu peux me le passer. Au moins, est-ce que je puisse te faire même un petit dépôt d'argent? Non, non, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas faim. Bon, pour mon enfant au moins. Non, 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 les merci. Bois de lait et autres. Non, merci, il y a quelqu'un qui s'en occupe très bien. En tout cas, qui s'en occupe simplement, mais qu'il oublie cet enfant-là. C'est quoi ça, la fin? Je vais revenir. Si tu vas encore nous trouver, tu ne sais même pas ce qui t'attend. Vraiment, les hommes, vous avez le cul. C'est-à-dire, vous vous asseyez, vous dites non. Je peux mettre pause quand je veux. Je peux revenir et recommencer quand je veux. Tout dépend de moi. Elle va toujours m'accepter. N'importe quoi. Parce que la vie tourne vraiment à vos pieds. Vraiment. Cristal qui vivra vraiment.